Voici un extrait tiré des mémoires de l'aumônier du régiment Maisonneuve, Gérard Marchand. Le régiment Maisonneuve vers la victoire 1944-1945, paru aux éditions Les Presses Libres en 1980, qui nous raconte comment il a vécu ses premiers combats. Vers midi 30, une pluie abondante d'obus et de mortiers ennemis sème soudain la panique dans notre secteur. Terrible enfer. Chacun cherche un appui pour s'ibloutir en attendant que l'orage passe. Les brancardiers de la compagnie A annonce que des blessés gisent sur le bord de la route à 3 km de nous, près d'une manufacture. Le sergent Barre m'y conduit en moto. J'identifie les corps de Bachand, de Béchard et de l'écuyer. Plus loin, un soldat tient dans ses bras un dénommé Turcotte blessé à l'abdomen. Je l'encourage de mon mieux, lui donne à communier, lui administre la dernière onction des malades. Je suis bouleversé. En devant de moi, sur les bords de la route, les mitrailleurs canadiens et allemands se disputent l'occupation des maisons. Je retourne au ROP, convaincu d'avoir vécu une expérience exceptionnelle. À mon retour au ROP, je vois quelques couvertures de laine recouvrant des corps inertes. Je soulève la première, le major Léon Brosseau, puis le capitaine Aurieur, le signaleur Tremblay, tous tués dès la ligne de départ à 13 heures. Je connais tous les soldats comme un bon pasteur connaît ses brebis. Je les aime tous comme des amis. J'éprouve un choc et un profond chagrin. Je me ressaisis. Les morts sont étendus devant la porte d'un garage. Des soldats pensifs m'observent pendant que je procède à l'identification et que je collecte les effets personnels dans la poche de chacun d'eux. Je vérifie le numéro matricule. Après le cérémonial, je vois transporter les défunts à leur dernière demeure au cimetière temporaire en bas de la côte. Devant la fosse où gisent une quinzaine de couvertures côte à côte, je fais une dernière prière, quitte à célébrer une messe de Requiem à la première occasion. Une profonde tristesse m'envahit.